Salut tout le monde, bienvenue pour un autre épisode de Sortez golfer sur la route. Ça, c'est le lac Noir. On est dans la magnifique région de Lanaudière et aujourd'hui, on vous amène à Saint-Jean-de-Maurienne. Sortez golfer, vous n'allez pas le regretter. Ça prend ton sac, tes balles, tes souliers. Sans oublier un petit drink pour s'hydrater. Ça prend un peu en fait, beaucoup de pratique, mais un coup que t'as commencé, tu voudrais surtout pas décevoir tes bons chums. Ah ouais, au champ de pratique, c'est là que ça commence, les birdies. Ça paraît plus dur que s'en aller. J'ai pas dit que c'était facile, mais y'a rien de mieux pour changer d'air. Quoi de mieux qu'un 9 ou un 18, les paris sont ouverts. Tu vas vouloir y retourner, même en hiver. Sortez golfer. Salut tout le monde, on est prêt pour une autre édition de Sortez golfer sur la route. Vous le savez, la mission de Sortez golfer, c'est de vous faire découvrir le golf et ça partout au Québec. Aujourd'hui, on est dans une région que j'aime beaucoup. J'ai grandi dans cette région-là, Lanaudière. Mais au contact des gens qu'on va aller visiter aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'est vaste, Lanaudière. C'est la villégiature, c'est du fun, c'est du temps en famille, mais il y a du très beau golf à jouer à Lanaudière. Aujourd'hui, on est à Saint-Jean-de-Mata et on rencontre Joe Salvas. Max, est-ce que je peux mettre du muscol sur les bas sortés golfés? Est-ce qu'ils sont capables? Ils sont absorbants. Ils sont absorbants. Excellent. Mais c'est important, par exemple, de ne pas le faire sur le gazon. Je m'en allais le faire, puis tu m'as chicané, puis tu as raison. Oui, je t'ai ramené. Ramenant. Parce que c'est toxique pour le gazon. C'est vraiment toxique, ça jaunit, en fait. Ça fait un beau spot, puis c'est long à partir. Moi, j'adore cette fragrance-là. Muscol numéro 5. Mon nom. Ouf, ça pogne les genoux, hein? Oh! Oh! Magie! Comme les enfants, ils bougent pas, t'as quelque chose dans l'oreille. Ils sont un club. Joe Salvas, salut! Salut, Max! C'est le fun de venir à chaque année vous visiter à Saint-Jean-de-Mata. C'est une grosse année pour vous autres, l'année 50e. Vraiment, oui. C'est la suite. C'est la suite des choses. Il y en a eu 50, mon père, mon grand-père. Ouais. Faites une... Pas pire job. Pas pire job. Ouais, quand même. On va jouer le 12e trou aujourd'hui. Tu as choisi celui-là. Pourquoi? C'est un trou signature. Okay. Chez nous, un des nombreux, je te dirais, Max. C'est mon père s'inspire beaucoup des trous nord-américains qui a joué au golf. Puis TPC Sawgrass, qui est le fameux Island Green là-bas, là, que tous les golfeurs l'ont en hantise. Le fameux 17, Le fameux 17. Fait que nous, c'est, on l'a comme aménagé pour faire un par 4. En version par 4. Exactement. Fait que déjà ici, on voit que le layout, là, on s'en va droit, puis après ça, on pique vers le vert. Là, on le voit pas, le vert, ici. Faisons ça, puis jasons du futur. Avec plaisir. Qui commence? Max Lalonde. Please, a big round of applause for Maxime Lalonde. Quiet, please, now. Quiet, please. Ouais, monsieur. Oh, yeah. Ça l'aide, ça? Hein? Je suis content, moi. Et voilà, back to. OK. Tu sais, Joe, ce qui est le fun dans ton histoire, là, c'est que c'est familial ici. Puis moi, j'ai toujours dit au golf, respecter la tradition, mais aussi regarder vers le futur. Puis pour moi, t'es exactement là-dedans parce que t'es le blend entre. T'arrives d'une famille de golf, puis là, tu représentes une nouvelle génération. C'est un beau cadeau que ta famille t'a fait. Là. Vraiment, vraiment. Mon père, je l'ai dit souvent, tu sais, merci papa pour le beau terrain de jeu. Là. C'est pas évident. Tu sais, ça a l'air le fun. Là, on te voit sur Facebook, on te voit sur Instagram. Joe Savage joue toujours au golf. C'est pas simple, la job de ce que tu fais. Non, vraiment pas. Puis, tu sais, je veux dire, DG, là, moi, j'étais, on va se dire la vérité, là, j'étais pas du tout prêt à être directeur général. Zéro, je l'admets, sans me taper sur la tête. J'étais juste pas rendu là. Mais par la force des choses, l'ancien DG a eu des défis personnels importants. J'ai pas de blanc. Ça a fait qu'il a fallu que je m'assoie dans la chaise, tu sais. Ah ouais. 142 verges. C'est-tu ça qui se passe? Ah oui, on joue au golf, là! Oui. Non, là, vu que c'est moi qui t'ai donné la distance, je te dis pas si c'est la bonne ou si je te donne une information erronée pour que ça mette dans l'eau. J'aime vraiment ça. C'est le fun. Ah, ça va être bon, ça! Oh! À l'arrière du verre? Ouais. Ça va nécessiter une approche? Une approche. Moi, c'est de dire merci à tout le monde
employé comme client pour les 50 dernières. Ouais. Puis c'est de devenir le plus inclusif pour tous les golfeurs. C'est important pour toi, ça. C'est la base pour moi. C'est la base. Tu sais, je le dis tout le temps, Max, ça s'appelle jouer au golf. Ouais, on joue. Oh, ça va être assez proche du trou, ça. Non. Oui. Oh! Allez, okay. Backspin. Il y a une chose que tu maîtrises très bien, que moi, je considère que c'est une lacune pour certains endroits dans le golf, c'est les médias sociaux. Ça fait partie de la business maintenant. Oui. Toi, ça fait partie de ta vie. Oui. Oui. Tu l'incorpores à ton club de golf. Mm-hmm. T'as-tu vu l'impact? Ben oui. Je l'ai fait par hasard. Puis il y a eu une bonne réponse. Puis là, j'ai vraiment embarqué dans aller jouer, faire des posts, émissions golf, machin, machin. Parce que ça va passer par là. Ouais. Tu sais, la pérennité de... Pas moi qui va te dire comment gérer ta business, mais ça va passer par mettre des visages sur les gens qu'on connaît puis les gens qu'on côtoie, tu sais, les employés ici. Effectivement. Tu sais, tout le monde connaît la madame du casse-croûte là, à son club de golf préféré ou à peu près. Absolument. C'est important. Absolument. Oui, vraiment. Ça, je trouve ça fascinant. T'aimes beaucoup visiter d'autres clubs de golf et en même temps faire la promotion de d'autres clubs de golf. Totalement. Que tu visites. Totalement, parce que Max, je fais pas. Moi, je le dis souvent, c'est pas mon golf que je vends, c'est le golf. Fait que je vais jouer partout. Puis s'il y a plus de golfeurs qui aiment le golf, plus d'amateurs qui on jouent au golf, ils vont venir chez nous, ils vont aller ailleurs. Puis on n'est pas en compétition, là. On est en collégialité dans l'industrie du golf. Totalement. De plus en plus, en tout cas. Totalement. Ça va être bon, ça. Il va en manquer. Dans un mois, elle est à la pile. Dans un mois, elle est à la pile. Je pense que les gens ne réalisent pas, Joe. Puis prenons la tribune qui nous est offerte pour en jaser. Totalement. De l'importance du travail du surintendant sur un terrain de golf. C'est absolument incroyable. C'est phénoménal. Sans lui, on n'a rien. Moi, sans Mathieu Allard, mon surintendant, je ne suis absolument rien. Oh, wow! Boom! Ouais, voilà! Damn! Birdie. Bravo! Hey, c'est de valeur que c'était la 10e prise, hein, mais qu'on faisait de ton pote. Grâce! C'est pas vrai, one shot, pris, one ça shot. Ça a juste pris 10 coups, là. La 10e take, mais... Ton sympathique caméraman m'a rappelé que là, si je le fais pas, vu que j'ai ton Odyssey, c'est parce que c'est le gars au bout du putter qui a ça, un problème. C'est pas le putter le problème. Non, j'aime ça, c'est... Bel esprit d'équipe, c'est le fun. Très voilà. Bon. On sait où le problème. Merci, Joe, pour le trou. Plaisir, Max. C'est un trou, mais ça représente bien la qualité du terrain puis l'esprit qui règne à Mata. Il y avait un groupe de golfeurs que tu as croisé, un nouveau golfeur qui vient d'arriver. Oui. Tu vas être un DG présent. Tu vas être là. Oui, vraiment. Dans le monde. Vraiment. Puis, tu sais, je te dirais moins peut-être pour, au début, là, pour acclimater à la job de DG, moins peut-être faire le tour des golfs ailleurs pour m'assurer que la base elle soit solide. Là. Ça change beaucoup, Mata. Mm-hmm. Il y a 50 ans qu'ils s'en viennent, il y a plusieurs choses devant toi. J'ai le goût que tu me fasses faire le tour. Parce avec que là, le resto, la terrasse, l'auberge, il y a bien du stock ici. Il y a beaucoup d'affaires, puis tu l'as dit, Mata. À ce temps, c'est le nouveau brand. C'est Mata. C'est Mata. Allons faire le tour de Mata. Mata. Ce sera le tour du propriétaire. Oui, le Mataverse qu'on appelle. Le Mataverse. Le Mataverse. Ça. On s'en va faire ça. J'ai un exemple parfait, Jérôme, avec ton deuxième coup que tu t'apprêtes à faire au numéro 3 ici à Victo, d'un de mes coups favoris au golf. Le deuxième coup sur un par 5, là, j'arrive souvent avec un fer dans les mains, mais j'ai souvent mon bois 7. J'aime tellement frapper ça. Puis on a regardé les chiffres. Tu avais une décision à prendre dans ton choix de bâton. Ouais, exactement. Tu sais, on a quand même une bonne distance à faire. Je sais que je peux me rendre avec mon bois 3, mais ma précision avec le bois 3 versus mon rescue, qu'on appelle, est moins grande. Puis ici, par expérience, si je frappe à hauteur du green ou à hauteur du drapeau, mais je suis à droite ou à gauche, j'ai un chip extrêmement difficile à cause de la configuration du vent. Comment c'est fait? Fait que t'es mieux en avant. Bien, c'est que si je me ramasse à droite ou à gauche, qu'il y a des bonnes chances d'arriver parce que le vent est très petit, j'aurai pas l'occasion de m'approcher du drapeau parce que le coup d'approche va vraiment être pratiquement impossible à mettre près. Ouais. Donc, ce que je fais, c'est que je vais jouer mon rescue. Je vais essayer de frapper le plus loin possible. Puis, je vais être un peu à court du verre et de là, je vais vraiment être bien positionné pour me rendre. Fait que c'est l'objectif en partant. On oublie de le prendre en deux. Bien, exactement. Okay. Si j'avais frappé un coup de départ plus long, puis j'aurais pu rentrer avec un fer, avec plus de précision, là, j'aurais été davantage. Mais là, je vais vraiment jouer un petit peu à court parce que je le sais qu'avec mes coups d'approche,
va être en mesure de mettre assez proche puis de me donner une bonne chance de birdie. Là. Parce qu'à cause de la position du verre qui est surélevé, c'est dur de faire atterrir un bois d'allée sur le verre puis que la balle reste sur le verre. Exact, c'est sûr. On est en début de saison, c'est un peu plus réceptif, mais en plein mois de juillet, mois d'août, c'est beaucoup plus ferme. Un bois 3, ça a tendance à rouler un peu plus. Fait que là, intentionnellement, je vais m'avancer, mais je vais jouer un petit peu à court pour bien être positionné pour le troisième coup. Un très bon deuxième coup, Jude, t'es en bonne position. Bien, c'est un peu ça, tu sais, je voulais rester à court. Puis regarde, tu vois là-bas, si je frappe un bois 3, c'est sûr que je me rends à la hauteur du green, mais si je l'échappe juste un peu l'autre bord de la trappe, imagine-toi le coup que j'ai à faire, il faut que je fasse un coup lobé par-dessus la fosse avec peu de verre pour arrêter la balle, un verre en descendant. Ça devient bien difficile d'arrêter ça proche du trou. Puis là, je vais tellement tenter de la lobé puis de jouer un coup risqué. Puis si je la frappe pas assez fort, je peux l'envoyer dans la trappe. Fait que quand on connaît un peu un parcours, ça nous permet de faire des meilleurs choix. Là, j'ai joué intentionnellement en avant. Et là, je vais jouer un coup d'approche. Je sais que d'ici, j'ai des meilleures chances de m'approcher puis de poter birdie dans une distance qui est faisable. Ah oui, totalement. Fait que, voilà, je me ramasse peut-être à 4-5 pieds du trou. J'ai une belle chance à birdie. Puis je vais aller faire mon birdie. Ah, je suis convaincu que tu vas le faire. Moi, je vais aller chercher ma balle là-bas parce que je t'ai pas écouté. OK, c'est bon. Salut tout le monde! Capsule Sortez golfer les filles présentée par Cruz. Et cette semaine, je vous présente une de mes très bonnes amies, mais on s'est rencontrés grâce au golf, Marie-Pierre Doré. Marie, je suis tellement contente. Ma bonne amie avec qui j'ai commencé à jouer au golf. Oui. Qu'est-ce qui t'a intéressée envers le golf? Mon intérêt a vraiment commencé du fait que je fais énormément de sports intensifs. Vélo de route, là, je commence le vélo de montagne, la course à pied. Puis à un moment donné, je me suis dit, peut-être qu'il y a des sports que je pourrais pas faire toute ma vie. Là. Il y a des sports qui, à un certain âge, ça va être plus difficile. Je pourrais essayer quelque chose de nouveau qui pourrait être quand même assez challengeant, on va se le dire. Ceux qui n'ont jamais joué au golf, c'est quand même assez challengeant, mais quelque chose de moins en intensité comme la course, le vélo. Fait que j'ai commencé le golf. Puis il y a aussi du fait que par mon travail, je suis notaire, donc j'ai besoin un peu de réseautage. Puis le monde des affaires, le golf, bien, c'est connu que c'est quand même une bonne place, un bon sport pour réseauter. OK! Maintenant, je peux ne plus en faire. Là, bien, ce qui est bien particulier, c'est qu'on a comme commencé en même temps. On ne se connaissait pas vraiment. On s'est contactés sur les réseaux sociaux et nous voici. Je suis vraiment contente qu'on ait cette connexion-là parce que c'est difficile de commencer. Puis ça a comme été un mouvement. Là, on est devenus plus que des partners de golf. Là, on est vraiment des amis dans la vie de tous les jours, mais ça a vraiment débuté comme ça. Puis moi, ça m'a tellement rassurée dans le sport au départ que j'ai vraiment encore plus embarqué dans le golf, je pense, à cause de ça. C'est qu'il y a des gars aussi, déjà des bons joueurs qui nous ont intégrés à leur ligue, à leur game. Fait que c'est un peu grâce à eux aussi qu'on a eu la piqûre puis que on s'est amélioré au cours des années. Vraiment. Il ne faut pas avoir peur parce que souvent, on se dit « Ah, ils sont tellement bons, ils ne voudront pas jouer avec nous qu'ils commencent. » Mais au contraire, on a tellement appris de cette façon-là. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça, que l'engouement des gens qui ont voulu nous intégrer là-dedans, c'était vraiment le fun aussi. Ça peut vraiment être un sport qui touche un peu à tout le monde, puis qui implique tout le monde. Je pense que c'est ça la beauté de la chose. Puis, oui, c'est intimidant. Oui, des fois, on manque de patience, mais en bout de ligne, je pense qu'on a toujours du fun, puis c'est ça l'important. Vraiment, moi, c'est vraiment, ça a été une piqûre. Tu sais, ça va faire 3 ans. Troisième saison qu'on commence. Oui. Puis, honnêtement, à chaque année, j'ai hâte. Puis là, l'hiver passé, c'était la première année que j'ai commencé à aller au virtuel. Un petit peu une fois de temps en temps pour essayer de maintenir mes habitudes. Mais vraiment, j'ai pogné la piqûre. Là. C'est vraiment le fun. La beauté de la chose, c'est peut-être parce qu'on est trop souvent ensemble, mais que souvent, on se complète. Oui. Les coups que tu manques, je les réussis. Oui. Les coups que je manque, elle les a réussis. On va se dire que souvent, ta drive est solide. Elle est dure à battre, fait que c'est le fun de jouer avec toi. Comme ça, moi, je peux compléter les autres coups par la suite. Selon toi, ton meilleur coup? Ma short game, là, les coups d'approche commencent à être quand même bons habituellement. Puis mon putting, une fois sur deux, est excellent. Une fois sur deux, est très à discuter. Il y a beaucoup de monde qui pense que le golf, c'est peut-être plus pour les vieux. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Ben moi, je réponds à ça que si tu veux être bon quand tu vas être vieux, tu devrais commencer un petit peu plus jeune. C'est très long. Parce que c'est très long avant de devenir bon. Mais effectivement, c'était une idée préconçue que j'avais avant.
de commencer le golf puis de me dire je vais arriver puis ça va tout être des personnes vieux puis ils vont me regarder, ils vont dire ben voyons elle qu'est-ce qu'elle fait là. Puis je me rends compte que au fil des ans honnêtement, il y a beaucoup de plus en plus de jeunes. Donc non, c'est pas un sport de vieux. Je trouve pas. Hey, merci Marie, je suis tellement contente de pouvoir dire que le golf m'a amené quand même une amie pour la vie vraiment là, puis on est rendu super proches puis c'est grâce au golf. Effectivement. Merci Marie, bon golf. Hey, toi aussi. C'est maintenant le moment du challenge Snack Power, la collation préférée des golfeurs. On est au Golf Exécutif Montréal. Je suis avec Steven Hughes, professionnel PGA du Canada. Steven, salut. Toujours. Alors, trois coups à réaliser, le temps à battre. Le mien à date, le deuxième participant, 1,27. On s'en va dans le fond là-bas. Un coup d'approche de 100 verges, la balle doit rester sur le verre. Après ça, une approche ici, d'en haut, la balle doit rester dans les canettes Snack Power. Et troisième coup, c'est le coup roulé ici, à peu près 12-14 pieds. Le chrono s'arrête quand tu mets la balle au fond de la coupe. T'as quoi pour faire ton approche? Je vais faire une 54. 54, parfait. On te laisse aller, est-ce que t'es confiant? Pas mal. Pas mal? J'adore ça. OK, alors attention, le chrono commence quand tu frappes ta première balle, Steven. Bonne chance. À battre, 1,27. C'est parti, est-ce qu'elle est à l'extérieur? Ça semble bon, c'est sur le verre, on peut y aller pour le chip. Pour rester à l'intérieur, est-ce que ça va dévaler? Oh, pas dedans. Pas dedans en partant, dedans! Presque! Hey, 1,27. Attention, pour conclure le tout. Ça m'écœure, mais c'est pas mal plus rapide que mon envoi. Un excellent chrono de 36,65, 36 secondes, Steven. Merci beaucoup d'avoir joué. Oh, merci. 36,6, ça va être bien difficile à battre. J'ai hâte de voir les invités qui vont succéder les semaines prochaines. Est-ce que 36 sera battu? J'espère. J'espère avec les jeunes. J'espère avec les jeunes aussi. Merci, Steven. Évidemment, il y a la partie jouer au golf, mais il y a la partie s'occuper du club de golf. Mm-hmm. C'est le segment, le tour du proprio. Tu as un terrain de jeu qui est assez vaste, Joe. Ouais. Puis là, c'est beaucoup de sous en investissement cette année que vous vraiment. Faites à Matta. Vraiment, vraiment. On part-tu du montant? Si tu veux. Ça coûte entre 300 et 500 à peu près qu'on va investir sur le terrain. Là. Aïe, aïe. Vraiment, là, je te parle de design de trous, refaire des tertres, renforcer des greens. On a joué le 12 tantôt, qui est le Island Green. Là, tout le tour, là, à la fin de l'année, on arrache complètement le bois. On coule en ciment tout le tour, puis on vient plaquer les planches pour donner le même fini, mais un truc solide. Absolument. Oui. Le trou numéro 16. Exact, qu'on vient de voir. Le trou numéro 16, on a eu le go de l'environnement. C'est important de se valider. Ouais. Nous, les tertres sont dures à conserver en vie parce que ben il y a des grands arbres le long d'une falaise, puis il n'y a pas assez d'ensoleillement. Position de soleil. Fait qu'on va raser, puis on en profite pour se faire se rendre plus sexy. Là. On va tout gratter le cap de roche, puis c'est le trou Arizona. Ah oui, c'est ça. Trois Arizona. Fait que le cap de roche, puis le sable, le waste qu'on voit dans le bas, on l'agrandit, on étire le sable jusqu'à la forêt. Puis le champ de pratique est super important dans un club de golf. Vous mettez ça vraiment clean cette année? Oui, exactement. On y va vraiment avec les tapis de pratique. Fait que poussière de roche, on a tout refait. Là. Poussière de roche, tapis, à grandeur, sort ça au printemps, sort ça à l'automne. Puis là, en plus, là, il reste le resto, il reste l'auberge, il reste la terre. C'est un paquet d'affaires à voir. Il y a beaucoup d'affaires. Poursuivons. Ça ne finira jamais. Tu commences grand? Oui, c'est ça, exact. Moi, Joe, je suis un grand fan du combo golf-dodo à une heure de Montréal, à peu près ici, destination de choix pour du monde de partout au Québec, en fait. Absolument. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment comme un tout inclus, Max. Tu arrives, tu parques ton char à l'auberge, puis tu traverses la rue, le golf est là, le resto est là. C'est vraiment cool. Un petit verre. Puis là, on est dans une des belles chambres de l'auberge, mais il y a plein de rénos qui s'en viennent aussi. Là. Totalement. On va refaire toutes les chambres, littéralement, les amener au goût du jour. Ça va ressembler à ça. Mais on veut aussi faire. On a déjà une piscine, mais là, on va la recouvrir. Sauna sec, jacuzzi, bain froid. Comme un petit mini bain nordique. Finalement. On va t'occuper dans le prochain mois. Monsieur! Après 50 ans, un club de golf, ça prend beaucoup de maturité, les arbres, la qualité du terrain, tout ça, mais les installations vieillissent. Puis vous avez pris une décision cette année à Matta. Oui, vraiment. On l'a dit tantôt, c'est les 50 prochaines qu'on regarde. Fait que les 50 premières, les dollars ont été investis sur le terrain, sur le produit principal. Puis là, ben c'est la cure de rajeunissement, comme tu as nommé tantôt. T'sais. Vous faites une terrasse, c'est plus grand que ce que c'était. C'est 4 fois plus grand, en fait, que ce qu'on avait. Elle va aussi être couverte.
On a refait la cabane starter au complet pour qu'on ait un accès vers l'intérieur pour la communication. On a refait le 9,5, qui était comme une espèce de fenêtre de camping. Puis, tu sais, je le dis tout le temps, fenêtre de camping au camping, c'est le fun. Sur un golf, ça prend une fenêtre de golf. Fait que là, on va pouvoir rentrer à l'intérieur par une porte de garage. Mais mettons que quelqu'un n'est pas venu à Mata depuis 7-8 ans, puis il vient début août. Ouais, choc post-traumatique. Alors, on va voir le resto maintenant. OK. On termine cette journée-là et le tour du proprio dans le resto directement, juste en face du golf. C'est important aussi, le moment d'après la partie, qu'elles vont se raconter des peurs, puis se tirer la pipe un peu. Exactement. Puis là, il y a des rénos aussi également qui s'en viennent ici. Là. Oui, exact. On fait tout. On fait l'intérieur. Là, on est vraiment dans le volet verrière, si tu veux, qui vient avec les forfaits. Oui. Un petit peu plus haut de gamme, puis on va le côté bistrot Mata. Très cool. De l'autre côté, ouais. La nourriture, ça attire des gens de la région aussi qui ne sont pas nécessairement des golfeurs, qui viennent juste manger au resto aussi. Totalement. Puis on est très, très, très produit local, très collaboration avec les producteurs locaux. Très cool. Ouais. Très cool. Yes. Joe, merci pour ton temps aujourd'hui. C'était vraiment le fun. Merci de nous avoir accueillis. Ça fait plaisir, Max. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai comme de la misère à être dans le plaisir en ce moment. Comment ça? Tu m'as battu tantôt. Ouais, fait un birdie. Ouais. Mais c'est ça, je le prends pas, je l'avale pas, fait que j'aimerais vraiment, vraiment ça. Non, tu ris, je suis très sérieux. J'aimerais vraiment ça qu'on... avoir ma revanche. Est-ce que tu connais un joueur, non? Non, 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 pas un. Je pense à quelque chose, je te reviens. Ça va finir comme ça? Oui, ça va finir comme ça, mais je suis pas capable de me ramener. J'accepte le défi. Joe Salvas, un gros merci de ton temps aujourd'hui. La revanche, plus de détails bientôt. Hein? Je vais faire un tour à matin. Bon, ben mangeons. Bon appétit.